La Maison de l'Europe des Yvelines au pays des Vikings, la délégation française du programme REDIT a passé 3 jours en Suède. REDIT, un projet européen financé par le programme Erasmus+, avec comme objectif d'échanger sur les politiques publiques et actions citoyennes mises en place dans les zones rurales. Dans tous les villages ou les communautés qu'on a pu visiter et des témoignages qui nous ont été présentés, on voit de très jeunes femmes investies en politique, des personnes âgées encore hyper actives dans leur communauté et une vraie volonté de travailler ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très inspirant pour nous. Ce qui est frappant en Suède notamment, c'est l'espace qu'ils ont et la difficulté qu'ont les familles à s'installer dans les zones rurales, alors que visiblement, d'après ce qu'on nous a dit, il y a une vraie demande et une vraie volonté de venir habiter à la campagne. La campagne suédoise réserve parfois des surprises comme cette ferme viking restaurée basée à Orsunda. Une ferme au cœur d'une action citoyenne, Lisa Andersson fait découvrir l'histoire de ce territoire aux touristes suédois et étrangers. Depuis le début, c'était un projet de la communauté d'agglomération de Sandviken pour essayer de faire baisser le chômage. Donc ils ont essayé de trouver des solutions pour créer des emplois pour les habitants. Un exemple d'une initiative locale et citoyenne, les 24 personnes des différentes délégations ont pu partager leurs expériences avec notamment le modèle suédois. Nous avons quelques informations, quelques connaissances sur la manière dont est mis en place le développement des zones rurales en Suède, que ce soit au niveau national, régional ou local. Vous ne pouvez pas développer si vous n'avez pas les zones rurales avec vous. C'est très important quand vous parlez de développement des villes. Le développement des villes, c'est aussi le développement rural. Mais ce peut être difficile parfois de discuter.